Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Moribé Rabbi Shumuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batraim Nechemia, ainsi que le Refouat Abraham, Mori Ben Rehout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider en prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Torayot, Perik Gimel, Gimel. Mishnah Gimel. Chatou, Achalon Nitmanou, Vachakach Nitmanou, Are Elou, Kehediot. Rabbi Shimon Omer, im noda lahem ad shelo nitmanu chayavin, mi shenitmanu pturin. Ve'eizehu hanasi, ze hamelech shenemar, v'asa achat mikol ezot Hashem elokav, she'en al gabav ella Hashem elokav. Deux sujets dans la Mishnah. Tout d'abord, on continue le fameux sujet, pour rappel, trois korbanot. Pour les particuliers, trois korbanot différents de khatat. Un khatat, c'est l'expiatoire qu'on apporte lorsque l'on a commis, par inadvertance, une faute sur laquelle on est passible de karet, de retranchement. L'individuel doit apporter une kisba au seira, une femelle, brebis ou chèvre, tandis que le roi doit apporter un bouc, un saïr, et le kohen gadol doit apporter un par kohen mashiach, un taureau, et avec tout un rituel, il fait entrer le sang plus profondément dans le echal. Ne se contente pas juste sur le misbéar de la externe, mais plutôt à l'intérieur du Echal. D'accord ? Le sujet de nos trois Mishnayot qu'on a. C'est la troisième Mishnah maintenant du Perek qui parle de ça, est de savoir le statut du Kohen Gadol, par exemple, ou du roi, qui faute avant d'être roi et qui apprend son erreur quand il était déjà roi, ou qui a fauté lorsqu'il était roi et qu'après il a été déchu, ou encore lorsqu'il a tout simplement été déchu et seulement après il a fauté. C'était les deux sujets de Mishnah précédentes. Et à présent, on va apprendre le cas du Kohen Gadol et du roi, que Chatou Achelo Nitmanou, qui ont fauté avant d'avoir été nommés. Ils étaient pour le moment un monsieur tout le monde. Et ils ont commis une erreur le Shabbat précédent. Ils ont fait une erreur, ils ont cru que c'était permis de, par exemple, dessourer un chiffon lorsqu'on nettoie une table, alors que c'est un issour d'Oraïta de dessourer un chiffon, de prendre un chiffon, ouais, faut savoir, lorsqu'on essuie une table le Shabbat, j'aime bien me dire, parce que je vois tellement de gens qui font cette erreur, ça me tient à cœur énormément, on voit des gens qui ils vont se mettre à prendre un chiffon, un tissu, ouais, ils vont le passer sous l'eau, ils vont le nettoyer, l'essorer, et puis après ils vont commencer à essuyer la table, après ils vont repartir l'essuyer, l'essorer, si vous savez combien de transgressions il y a eu à l'intérieur de ça, lorsqu'on a tout simplement mis de l'eau sur une tâche pendant Shabbat, on transgresse un issour. Si toutefois on a rajouté du savon, on transgresse un nouveau issour de Mechabès, tout ça c'est le cas de Mechabès. Après on fait entrer l'eau, on les sort. Bon, enfin, le sujet c'est pas d'étudier le Chod Shabbat, c'est de revenir. En tout cas, il a cru que c'était permis de dessourer le torchon pendant Shabbat. Il a transgressé. Après il a appris, tout de suite après ou peu importe, plus tard il a réalisé son erreur, mais entre temps il a été nommé Kohen Gadol ou Roi d'Israël. Et donc, Chatou, Hachalo, Nitmanou, ils ont fauté. Jusqu'à qu'ils n'ont pas été nommés. Ve'acharkach nitmanu. Et seulement après, il a été nommé. Alors la Mishnah nous enseigne, Are helu kahediot. Ils ont un statut d'homme simple. C'est-à-dire, apporter une kisba au seira. Une brebis ou une chèvre femelle, comme tout le monde. Donc le Kohen Gadol, il va partir au Beth Amikdash. Il va prendre une petite brebis. Et il va... Malgré qu'il est habillé comme un Kohen Gadol et tout ça, mais il va l'égorger en tant que khatat, toute simple, et la faire sur le Mizbeach Harizon. Pourquoi ? Parce que la faute qu'il a commise, il l'a commise quand il était encore un homme simple, donc il a été imposé d'apporter un korban simple, comme un monsieur tout le monde. Et bien, Rabbi Shimon Omer, im noda lahem achelo nitmanu chayavin, ou mishinitmanu pturin. Rabbi Shimon nous précise, non, attention, il faut quand même faire distinguer deux situations. Il y a le cas où il a appris, il a réalisé son erreur avant d'avoir été nommé, avant d'avoir reçu le poste. Alors là, Rabbi Shimon nous dit, c'est vrai, tu as raison, il pourra apporter une kisba au Seira, bien qu'il s'agisse du roi ou du Kohen Gadol. Par contre, Umishenit Manu, s'il a réalisé son erreur qu'une fois après avoir été nommé, avoir reçu la fonction, alors là, Pturin, il sera dispensé. Rabbi Shimon, il a un principe. Que apporter un korban khatat, on n'apporte pas le korban khatat que sur la transgression elle-même, mais on devient imposé du khatat lorsqu'on a transgressé, venoda,
il a su, on aura l'occasion d'en parler longuement, sur l'importance de la prendre connaissance de son erreur. C'est presque une partie intégrale de la faute, selon Rabbi Shimon. C'est très fort, et ça fait que s'il a été, c'est-à-dire, on va prendre le cas où je deviens roi demain, j'ai transgressé hier Shabbat, j'ai transgressé, et je suis nommé roi, excusez-moi, je suis nommé roi aujourd'hui, je réalise mon erreur demain, lorsque je suis déjà roi, et bien c'est toute cette période maintenant qui nécessite d'apporter un corban expiatoire, et alors là, je suis en contradiction. Lorsque j'ai transgressé, j'étais imposé d'une kisba au Seira. Désormais, dans mon nouveau rôle, je ne peux apporter qu'un bouc. Et bien, qu'est-ce que je fais? Rabbi Shimon dit, t'apportes rien. T'es bloqué, t'as perdu, tu t'es fait avoir. Tu ne peux pas l'apporter. On réalise donc, dans ce cas-là, c'est rapporté dans le Tosfot Yom Tov, que Rabbi Shimon, il discute en réalité même sur la première Mishnah, où c'est la situation inverse. Il a fauté lorsqu'il était Kohen Gadol, ou lorsqu'il était roi. Ensuite, il a été déchu, il est redevenu un monsieur tout le monde. Si après il va réaliser qu'il a fauté lorsqu'il était roi, il ne pourra plus non plus apporter de corban du tout, il sera dispensé d'apporter un corban. Parce qu'on va lui dire, la première phase de ta faute, tu étais imposé d'un bouc. Pour la deuxième phase maintenant, tu es imposé d'une kisba au Seira, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas apporter un androgène, comment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es bloqué, tu peux rien apporter, tu n'apportes rien. D'accord? Il va le dispenser parce que d'après Rabbi Shimon, on doit regarder les deux points. Le moment de la faute, et le moment où il prend connaissance, et que ce soit cohérent, imposé, homogène, imposé d'apporter un même korban. D'accord? C'est clair? Eh bien, c'est très bien. On continue sur la Mishnah. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet. Ve'eizehu ha-nasi. Qui est le nasi? Il faut savoir, dans la Torah, on rencontre le mot nasi. Sûrement, vous devez savoir. Les nesim, il y avait dans la parasha des korbanot. Nesim, vi'u. Les Nessim, en général, lorsqu'on parle du Nassi, on parle du responsable de tribu. Dans le peuple d'Israël, on a les 12 tribus, même 13, si on compte le Kohen ou les Kohanim ou pas, les Lévim. En tout cas, il y a 12 tribus et il y a des responsables de tribus qui sont appelés des Nessim. Question. Lorsque la Torah me dit « Asher Nassi Yecheta », lorsque le Nassi fautera, il devra apporter un Sa'ir, un bouc. De quel Nassi on parle? Du responsable des 12 tribus ou que du roi? La Mishnah vient m'enseigner, non, on ne parle pas de ceux des 12 tribus, des princes des 12 tribus, mais on parle uniquement du roi qui est au-dessus. Zeha Meler, on ne parle que du roi. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Ve'asa achat mikol mitzvot Hashem elokav, qu'il transgressera, donc qu'il fera, une des mitzvot qu'Hashem lui a dit. Chez En al-Gabav ela Hashem elokav, qu'il n'a au-dessus de lui que Hashem. Et pas qu'il a encore quelqu'un à qui il est redevable, envers qui il est, assujetti, qu'il est contraint d'écouter les préceptes de quelqu'un. C'est-à-dire, la Torah, elle a donné un corban particulier pour celui qui est au summum du pouvoir, avec au-dessus de lui que Hachem, et pas un autre homme. À la différence des princes, qui sont tous pliés, ils sont tous des sujets au grand roi, du roi d'Israël en l'occurrence. Remarque très intéressante, cette fois-ci c'est rapporté par le Tiferet Israël. Il rapporte ici qu'il en va de même, vous savez bien, pendant l'histoire, depuis Rechavam, le peuple d'Israël a été coupé en deux royaumes. Le royaume d'Israël et le royaume de Judée, comme on appelait Malchut Yehuda, Malchut Israël. Il y avait les rois d'Israël et les rois de Yehuda et le roi des 10 tribus, ce qu'on appelle les 10 tribus. Et bien, donc les deux rois, en général, ils n'étaient pas contraints. Chacun vivait sa vie, c'était devenu deux pays concrètement. Il y avait le Jérusalem et Yehuda et Binyamin qui étaient ensemble contre les autres tribus. Des fois ils étaient en période de paix, des fois ils étaient en période de guerre, mais quoi qu'il arrive, il y avait ici deux mondes. Et bien dans ce cas-là, on est dans une situation où on pourra avoir effectivement deux personnes dans le peuple d'Israël qui pourront apporter le corban du roi, parce que chacun a au-dessus de lui qu'Hachem, puisqu'ils ne sont pas contraints un à l'autre. C'est clair? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, c'est là.